pourquoi ma fille, je n'arrive pas à comprendre. Il y a un moment. Résistance à ceux qui veulent
La Suisse doit accorder à toutes les personnes avec une procédure d'asile en cours le droit de rester ici, mais aussi de régulariser toutes les personnes sans statut légal. Nous demandons aussi que notre pays accueille 50 000 réfugiés confinés, en particulier dans les camps en Grèce. Nous avons aussi une revendication qui concerne l'économie, parce que l'économie est l'affaire de tout le monde. Nous voulons sa démocratisation pour décider nous-mêmes sur les biens et les services que nous produisons. La spéculation financière doit être abolie et réinvestie dans la reproduction et le bien commun. Toute chaîne sanitaire, de la production de matériel et médicaments à la gestion des services de soins, doit être un service public et cesser d'être soumise à la logique de profit. Parce que nous en avons assez des inégalités salariales et des discriminations dans le monde du travail. Nous voulons valoriser celles, mais aussi ceux dont le travail est indispensable à la vie. Leur salaire doit être augmenté et leurs conditions de travail améliorées. L'application de la loi sur le travail dans les hôpitaux doit être rétablie immédiatement. Ça a été fait entre-temps. Et évidemment, en matière de loi sur le travail, nous voulons que ça s'applique aussi à l'économie domestique. Oui ! Parce que nous voulons vivre dignement, nous voulons le retrait d'AVS 21 et un large débat pour réduire l'âge de la retraite de toutes et tous. La pandémie a montré la fragilité de la population âgée. Une vie digne doit être garantie à tout être humain en toutes circonstances. Aussi pour le travail de care, parce que nous voulons que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu et partagé, de même que la charge mentale. Nous exigeons un service public de l'accueil de l'enfance fort, un financement substantiel et un véritable congé maternité, paternité et parental. Nous voulons aussi un fonds national qui garantisse une allocation de chômage aux employés de l'économie domestique, quel que soit leur statut. De ralentir, moins de déplacements, moins de consumérisme. Nous voulons ralentir le rythme de la vie quotidienne. Solution locale, solidaire et écologique. Pour que nous puissions produire les biens essentiels à la vie selon une logique de souveraineté alimentaire, tout en ayant recours à l'échange international dans un rapport égalitaire complémentaire. Moi j'ai des fois mes démons, ça sert à réchauffer les quatre mains sur un sourire, un lever de rage qui n'a plus la vie. Ça me fait flamber, mais ma vie. L'idée du travail éducatif et de soins aux enfants. Location des pertes de salaire.